Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une courte petite vidéo, normalement, parce que je sors chez Noz, Jiffy, et puis j'ai reçu un petit colis de ma Gigi. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas de grande folie, mais j'aime bien partager avec vous, donc c'est ce que je vais faire. On va commencer par Noz, ça va être rapide. Chez Noz, j'ai pris un puzzle comme ça, dinosaure, voilà. Il y a 28 pièces à l'intérieur. Et il était à 1,20€. Un autre comme ça, un peu plus petit, lui, il était à... Il n'y a pas le prix affiché dessus, mais c'était 99 centimes. Donc celui-là, il y a 16 pièces. Donc celui-là, il est plus grand. Donc c'est pour ça qu'il est à 1,20€ et 99 centimes. Donc ça vaut le coup, là. Lady qui change souvent d'avis. Elle est en train de refaire son salon chambre en couleur... Je dis mon salon chambre parce que si vous me connaissez, vous savez que... Mon lit est désormais dans le salon. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est compliqué. Mais bon, ceux qui me connaissent, voilà, vous suivez l'histoire. Donc, voilà. Donc, comme je suis installée, donc vous savez que moi, j'aime le rose. Donc, moi, je voulais inclure le rose. Donc, fini le jaune, là. Le rose est de partie. Donc, là, j'ai pris ce plaid. Voilà, vous avez la couleur un petit peu. Il est un petit peu rose tendre, comme ça. C'est pas un rose agressif. Et franchement, il est tout doux. Il mesure 130 par 160. Et il coûtait 5,99€, franchement. Voilà. Pour faire sa petite découpe au pas cher. J'ai trouvé ce sac-là, comme ça, voilà. Avec des petits pampis de couleurs bleues, rouges, jaunes, verts, voilà. Un petit peu plein de couleurs, quoi. Donc, effet jean, comme ça. J'avais pas de sac, moi, un motif jean en petit sac, comme ça. Donc là, un petit sac sympa avec une bandoulière assez grande. Voilà, vous la réglez comme vous souhaitez, là. Ensuite, ici, vous avez une petite pampille aussi. Enfin, une grosse pampille plutôt. Deux pampilles même. Donc là, comme ça. Voilà. Et ce petit sac, je l'ai pris parce que j'ai hésité. Mais bon, quand j'ai vu le prix, j'ai plus hésité longtemps. Je l'ai pris parce qu'il coûtait 2,99€. J'ai pris un basique rose comme ça. Voilà, à grande manche. Oui, c'est un vrai basique, quoi. Voilà, banal. Donc, de la marque Nordique, oui, j'ai pris 2XL pour que ça fasse pas trop serré. 2,50€. J'ai pris comme ça un set d'un petit portefeuille, un collier et un petit bracelet comme ça. Deux petits mignons. 2,99€. Du papier adhésif. Bon, j'aurais préféré un modèle noir. Noir plus sobre, quoi, mais noir ou gris, noir, machin. Mais d'ailleurs, comme une couleur un petit peu beige, j'ai dit, bon, allez, ça va passer quand même. Donc, ça, c'est pour remettre un petit peu dans ma cuisine. Voilà. Sur mes carreaux de cuisine. Mais par contre, le seul bémol, c'est que je ne sais pas s'ils sont waterproof. Donc, aucune idée, mais bon, bref, pas grave, je vais essayer. Et pour le prix, 1,99€, mais par contre, il n'y avait que ceux-là que je retrouvais le même motif. Sinon, il y avait d'autres, mais c'était un par un. Il n'y avait plus le même motif. Donc là, j'ai trouvé trois rouleaux. Donc j'ai pris ce modèle-là. Voilà. Et ils font du largeur 45 cm, longueur 2 mètres. Voilà. Un petit bloc-notes comme ça. Voilà, sticker collant comme ça. Vous avez les couleurs là. Cinq couleurs. Et ce petit bloc, voilà, pour coller un petit peu partout les petits sticks. Post-it 50 centimes et j'ai pris ça. J'ai pris des petites puces sauteuses à 99 centimes. Voilà pour les petits. Donc, un rouge, un jaune et un vert. Ils choisiront lequel ils veulent. Voilà, c'était tout pour Noz. Comme je dis, c'était un mini haul. Voilà, juste pour vous montrer ce que j'ai eu parce que j'ai craqué chez. Autrera et chez Makeup Revolution, donc voilà, je peux pas trop craquer partout, mais ça valait grave le coup. J'ai pas non plus fait un big craquage, vous me connaissez, c'est raisonnable encore, donc voilà. Maintenant pour Jiffy. J'espère que je retrouve mon ticket Jiffy, sinon autrement je vous le dis à peu près. Donc là j'ai pris un set comme ça de salle de bain, tapis plus rideau de douche, voilà. Vous avez le rideau de douche en motif un petit peu tropical, tropico, voilà. Et vous avez le tapis de bain, sauf que je ne comprends pas. Ici,
pour le rideau de douche, il est bien noir, mais pour le tapis, je pensais que c'était noir, mais vous voyez bien, c'est un peu du vert. Bon, j'ai dit, bon, tant pis. Pour celui-là, c'était 9,99€ l'ensemble, je crois, si vous étiez VIP, ou je sais plus. Parce qu'il y avait une affaire avec VIP, mais VIP, c'est pas compliqué. Quand vous voyez que c'est écrit VIP, il suffit de faire votre carte VIP, j'ai fait juste en ligne, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai pris parce qu'on va changer la salle de bain. Vous savez que ma salle de bain, enfin, vous savez, entre guillemets, ma salle de bain était toute rose. Pas de ma volonté, elle était toute rose depuis qu'on était arrivé. Mais là, elle est toute moisie de partout. Donc, je vais essayer, on va essayer, moi et chérie, de repeindre ça tant bien mal qu'on pourra. On va essayer parce qu'on n'est pas des peintres du tout. Ok, voilà. Donc, on va essayer d'installer tout ça après, quoi, quand ce sera fait, on verra ce que ça donne. Deux étagères comme ça. Voilà. Elles sont comme ça, comme le dessin là. Elles étaient pas chères, moins de 2 euros. Donc j'en ai pris deux pour mettre dans les rangements. En plus, sur les étagères de cuisine, etc. Ensuite, on a pris un petit ensemble comme ça pour la salle de bain toujours. Vous avez un miroir comme ça et un petit rangement où vous accrochez le rasoir. Vous posez les brosses à dents à l'intérieur, etc. Bon, je sais pas ce que ça va donner parce que nous, généralement, tout ce qui se colle comme ça, ça tient pas. Donc là, on verra bien. Celui-là, moins de 6 euros. 5 euros quelques. Ensuite, on s'est pris parce qu'on n'avait pas. On n'en avait pas depuis qu'on est en métropole. On n'a pas de ça. On n'a pas de mandoline. Donc là, j'ai pris. Ils s'appellent ça comment, eux? Moi, j'appelle ça une mandoline, mais je sais pas si ça s'appelle. Un multi-wrap. Bon, on va dire multi-wrap alors. Donc j'ai pris cette multi-wrap là parce qu'on aime bien consommer des légumes, mais à chaque fois faire au couteau, voilà, c'est pas trop pratique. Donc là. Petite râpe qui va fortement nous servir, je pense. Donc voilà, petite râpe, moins de 7 euros, 6 euros et quelques en gros. On a pris ça, c'est une pochette de Playmobil. Et il était en promo à 5 euros. Et ce que j'aime bien le concept, c'est que en fait, voilà, c'est un genre de petit pirate comme ça. Et vous avez en compagnie, vous scannez ou quelque chose comme ça, le QR code. Et ensuite, vous pouvez jouer avec un smartphone, avec un téléphone, quoi. Donc pas mal pour 5 euros. Des petits chouchous comme ça, 3. On en a toujours besoin. Hein. 1 euro. Voilà, comme ça, là. Ouais, et par contre, ils sont très très serrés. Donc ça va pas faire 2 tours, ça. Enfin, ça va faire difficilement 2 tours. Voilà, 1 euro. Pour finir chez Jiffy, j'ai pris une étagère de douche de baignoire. Voilà. Voilà comment ça se présente. Vous la mettez sur votre baignoire jusqu'à le plafond, et puis vous pouvez y mettre, voilà, toutes vos affaires. Bon, ça fait peut-être pas esthétique, peut-être. Moi, je m'en fous de l'esthétique. Moi, je cherche la praticité. Faut savoir que chez Lady, je cherche. Bon, j'aime quand c'est joli, bien sûr, bien évidemment, mais je cherche pas à avoir une maison magazine, quoi. Je cherche juste à avoir les rangements qu'il faut, la disposition qu'il faut, et la praticité surtout. Donc, voilà. Et ça, c'était 10 ou 11 euros et quelques. Voilà. Maintenant, je passe à ma surprise. Donc, j'ai reçu ce petit colis dans ma boîte aux lettres de la part de Gigi. Donc, on va bien voir. D'abord, moi, il y a mon moule Hello Kitty à l'intérieur. Donc, voilà. Je suis déjà contente. Donc, merci déjà beaucoup, Gigi. Ça, moi, juste, je suis contente toujours. Ouais. Voilà, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc, j'ai un petit courrier. Bonne année. Une jolie petite carte avec Teddy Bear, je crois. Trop jolie la petite carte. Merci pour ce petit bonus, ma Gigi. Merci beaucoup. Alors, je vous montre un peu. Elle a réussi à mettre ça dans une petite boîte comme ça. Et je vois tout plein de gourmandises. On est gâtés en gourmandises. Tu sais qu'on est des gourmands ici. Il y a du nougat et tout, moi j'adore. J'ai fait la récolte des toutes des petites gourmandises. Est-ce que je vais cacher tout ça pour moi? Je sais pas. Elle m'a mis un masque et un masque. Comme ça, à la banane, elle a déjà montré Gigi ça. Moi, je n'ai jamais essayé celui-là. Moi, j'ai déjà essayé celui de chez Fructis. Voilà. Donc, je vais essayer. Merci beaucoup, Gigi. Trop contente. Trop contente. Vous savez comment j'aime beaucoup Hello Kitty. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup pour moi. Hello Kitty, c'est.
Merci beaucoup, merci, merci, merci. Donc, un petit sac comme ça. Il y a des petites choses à l'intérieur. Elle m'a mis des petites cartes comme ça. C'est des petites cartes Marvel. Voilà, pour les enfants. Ensuite, conditioning shampoo. Je ne sais pas si ça veut dire shampoing ou après shampoing. Voilà, comme ça. Pour le bain, gel douche. Comme ça, c'est trop mignon. Au thé vert en plus. C'est trop mimi ça. Shampoing et conditionneur, celui-là. Top. Lotion pour le corps. Un petit parfum comme ça. Franchement, moi j'adore les parfums. Donc, il est trop mimi en plus. Voilà. On dirait une odeur un peu citronnée. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça sent pas mauvais en tout cas. Ça sent pas mauvais. J'aime bien. On dirait citronné, voilà. Quelque chose de citronné. Le flacon, il est trop joli en tout cas. Comme ça. Un masque en tissu de la marque Biphase. Alors, des petites cartes. Donc, elle m'a donné un petit bon de moins 20% sur mon produit préféré. Merci. Des petites cartes, voilà. Je pense que c'est pour les enfants. Des petites cartes de super-héros, Star Wars, etc. De lapin crétin. Un échantillon de Black Opium. Elle sait que j'adore les échantillons. Je collectionne les échantillons. Donc, je vous montrerai ça dans une de mes vidéos. Donc, voilà. En plus, ils sont trop bons. Et le fameux petit moule. Il est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Gigi. Je kiffe. Non, mais à la fin de la vidéo, je me rends compte qu'il y en a deux. Merci, Gigi. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, franchement, là. Et tu m'as refait là, deux d'un coup. Alors là, merci. La prochaine fois, je vous reviens avec une vidéo préfilmée d'une vidéo que Sully Nikian m'ont maquillée. Pour ceux qui ne savent pas, Sully, mon frère, Nikian, mon fils. Donc, je reviendrai avec vous avec cette vidéo-ci préfilmée, du coup, parce que j'ai pas le temps de filmer en ce moment. Il y a quelques jours là que je souffre encore de migraines incessantes là. Donc, je vous ai fait rapidement ce petit haul pour vous mettre une petite vidéo. Excusez-moi les personnes dont je ne passe pas encore sur l'affiche. Je suis désolée, vous allez dire oui, vous passez sur ma fiche. Moi, je passe pas, je suis désolée. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne fous pas de vous. Je vais essayer de passer sur vos fiches dès que je peux. Et voilà. Voilà. Donc voilà pour mes achats et pour mes reçus. Ça, c'était des cadeaux de Gigi. Je vous remets sa chaîne ici. Bon, vous avez l'habitude avec moi, hein, parce que j'ai parlé d'elle récemment, récemment dans une de mes vidéos, la vidéo FAQ. Donc, de toute manière, je vous remets quand même sa chaîne ici et je vous mets en barre d'infos. Merci beaucoup, Gigi, de nous gâter à chaque fois. C'est une youtubeuse, mais qui gâte ses abonnés fidèles. Mais franchement, des fois, on s'attend pas et on a des petits cadeaux comme ça qui nous font plaisir, qui nous touchent beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la personne que tu es, Gigi. Voilà. Et merci à tous pour vos commentaires sur la vidéo FAQ. Ça m'a beaucoup touché encore une fois et la personne qui m'a envoyé un email aussi si tu continues à me regarder ben merci pour ton email comme je t'ai dit ça m'a fait chaud au cœur aussi ton email du coup voilà toi-même tu sais ce que tu m'as écrit moi-même je sais ce que je t'ai répondu donc c'est très gentil merci beaucoup merci 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 moi des petites attentions comme ça me font super plaisir ah, j'ai tellement pas l'habitude de ouais bref. Bon, vous avez les dit, elle va pas partir dans ça. J'ai pas envie de faire encore une séance émotion, pleurer. Tout là, vous allez dire, oh, on n'en peut plus d'elle. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!